Sur la Joséphine arrière d'un Léon complet, j'aperçus un jour Théodule avec Charles le Trop Long et Gibus entouré par Trissotin et pas par Rubens. Tout à coup, Théodule interpella Théodose, qui piétinait leur aile hardie chaque fois que montait ou descendait des pôles d'Ève. Théodule abandonna d'ailleurs rapidement Eris pour la place. Deux week-ends plus tard, je revis Théodule devant Saint-Lazare en grand cicéron avec Brummel, qui lui disait de retourner chez O. Rosen pour faire remonter Jules 2-3 cm. Après une petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mis en quarantaine, mais montai finalement dans une ambulance pleine de grabataires. Là, je diagnostique un gastralgique atteint de gigantisme opiniâtre avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique parce qu'un kakoshim lui pilonne son tylosis gonfeux. Puis, ayant déchargé sa bile, il s'isole pour soigner ses convulsions. Plus tard, je le revois, hagard, devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. Il était un peu plus de midi quand j'ai pu monter dans l'Est. Je monte donc, je paye ma place, comme de bien entendu. Et voilà, typoc alors, je remarque un zozo l'air pied avec un cou qu'on aurait dit un télescope et une sorte de ficelle autour du galurin. Je le regarde parce que je lui trouve l'air pied quand je vois la typoc qui se met à interpeller son voisin. Dites donc, il lui fait, vous pourriez pas faire attention qu'il ajoute ? On dirait qu'il pleurniche, que vous le faites exprès, qu'il bafouille, de marcher tout le temps sur les panards, qu'il dit. Là-dessus, tout fier de lui, il va s'asseoir. Comme un pied. Je repasse plus tard cours de Rome, et je l'aperçois qu'il discute le bout de gras avec un autre zozo de son espèce. Dis donc, il lui faisait l'autre. Tu devrais, qu'il lui disait, mettre un autre bouton qu'il ajoutait à ton parlingue. Qui concluait.